L'entraînement, le contact, l'affrontement entre deux personnes, j'adore ça. Et je trouve qu'on peut être amis dans la vie et sur le tapis, il y a des bastons. Voilà. Hop, c'est parti tout de suite. Voilà, faut être un peu fou, je pense, pour faire du judo des fois. Et c'est ça qui me plaît en fait. Je suis pas du tout comme ça dans la vie, mais sur le tapis, c'est vraiment le truc qui me plaît en fait. C'est de se battre et de se lâcher complètement pour ça, quoi. Sur le tapis, en fait, on n'a pas à être toute gentille, à sourire tout le temps, à être poli. Je vais lui rentrer dedans, je vais faire tout mon possible pour la mettre sur la tête et si j'y arrive, tant mieux. Chaque année, une vingtaine de jeunes filles venues de toute la France sont admises en section sport-études judo au Pôle France de Strasbourg. Elles font partie des meilleures judokas de leur génération. Logées en internat durant toute la semaine, elles enchaînent entraînement intensif et cours au lycée pour un jour peut-être monter sur les podiums. Et les autres en dehors, quand on leur dit qu'on fait du judo, ils font « Ah, faut pas t'embêter alors, mais enfin, je vois pas ce qu'il y a de rapport. » Tu fais quoi du judo ? Ah ben moi j'ai rien fait, hein, je t'ai pas embêté. Hein. Ça c'est un peu l'idée qui revient tout le temps, c'est un peu lourd, c'est... Alors, toi t'es là, tu rigoles, tu fais « Ouais, ouais, ouais. » Il y a des gens qui diront le judo c'est pour les gars, c'est bourrin, c'est... Mais je pense que non, nous on n'a pas l'impression que ce soit un sport vraiment bourrin où on s'entraîne, donc il y a des risques qu'on se blesse ou qu'on se fasse des petits griffures, ce sera pas bien grave. C'est peut-être un peu violent, mais c'est pas non plus de la boxe, on se donne pas des coups, c'est aussi technique, donc je pense que c'est pour les filles aussi. C'est des adultes, bien sûr, qui m'ont dit ça, que le judo, c'était plutôt un sport de garçon, mais si c'était un sport que de garçon, il n'y aurait pas de filles sur le tapis. C'est juste que les mecs, ils aiment plus montrer qu'ils sont les plus forts. Nous, on le montre moins, mais sur le tapis, ça donne les mêmes choses. Hein. C'est la bagarre pareil pour tout le monde. Je trouve que c'est beau. En plus, le judo, c'est noble. Enfin, ça apporte des valeurs. Et je trouve que bah, une fille, ça a sa place dans le judo. Les filles, vous commencez à vous placer sur le tapis. Laissez quand même de la place aux garçons, parce que vous savez qu'il faut quand même un judo plus dynamique, qui bouge plus. C'est pas vrai, les filles, ce que je suis en train de dire, là? Non. Ah bon, moi, je vais regarder, alors. Je vais regarder. Je sais pas. Allez, je m'en vais. J'ai toujours très bien accroché avec les filles. Elles sont sérieuses, elles sont bosseuses, elles sont plus rigoureuses que les garçons. Les garçons, en général, ils vont y aller. Hein. Il n'y a pas de souci. Ils vont s'investir, ils vont dépenser beaucoup d'énergie. Mais des fois, ça a manqué un peu d'organisation et de rigueur. Chez les filles, souvent, on a plus cette organisation, plus cette rigueur qui fait qu'on avance, on peut avancer plus vite. Et puis, il y a une écoute. Une écoute qui peut être importante. Donc là, ici, et l'idée, c'est vraiment de s'enrouler là. Je suis là, et là, je croise quand même les bras. Là. En fin de compte, tu lui croises les bras et tu la mets et tu la pousses très fort sur les bras pour bien l'amener sur ton dos, bien plaquer ton dos. La façon de penser masculine n'est pas du tout la même que la façon de penser féminine. On n'est pas toujours branché sur la même longueur d'onde, c'est clair. Donc c'est pas toujours facile à faire passer le message. Par contre, quand on arrive à trouver un terrain d'entente, à trouver le bon compromis, alors là, on arrive à faire des choses fantastiques, quoi. Et moi, j'aime bien travailler avec les filles, ouais. Emeline, est-ce que tu crois que tu vas réussir à faire tomber un cadet masculin? Ah, tu sais pas. Alors vas-y, n'y va pas si tu sais pas. Ouais? Tu vas tout faire pour? Ouais. Ok, je regarde. Attention, 2 secondes. Tu perds du temps déjà là. Allez, oui, c'est parti, allez, vas-y, encore, double. Reviens, allez encore, vas-y, derrière. Allez, hop. Allez, Ochigari derrière. Là. Oh la vache, il en bave, hein. Encore, lâche pas.
Voilà, on peut pas dire que tu n'avais pas essayé. On peut pas dire que tu n'as pas essayé. Je suis fière de faire du judo et être une fille. Même si on a un peu des épaules de garçon, faut s'y faire. En cadet 2, mon père, il a commencé à faire un peu de la muscu. Bah, comme ça, parce qu'il faut bien commencer à jouer au judo. Et c'est vrai que ma première réflexion, ça a été de dire « Non, mais je veux pas avoir des bras de bonhomme. » Un garçon au lycée normal qui fait pas forcément du sport, c'est vrai qu'on lui paraît un peu musclé. Il nous appelle les bonhommes pour rire parce qu'on est capable de faire des tractions ou des pompes alors qu'eux, pas forcément. Quand t'as un mec qui me dit ouais, t'as plus de bras que moi, j'ai envie de pleurer. On est quand même assez stock, quoi. On fait quand même. Et j'aime pas, quoi. Après, je me dis qu'en faisant du judo, en faisant 1m80, je peux pas peser 60 kg, quoi, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est tentant, quoi, parce que ça serait plus beau que ça, quoi. Enfin, j'aime pas. Pour nous, l'image de la femme parfaite, maintenant, c'est 1m80, 45 kg, super bien faite, quoi. Et je sais qu'on n'est pas comme ça, c'est pas possible. Mais au fond de moi, franchement, j'aimerais vraiment leur ressembler, quoi. Et... Qu'est-ce que c'est, le canon féminin? C'est les modèles qui sont secs comme ça, qui défilent là, on dirait des squelettes. Pour moi, ça, c'est pas un canon féminin. Pour moi, une fille musclée, moi personnellement, une fille musclée, moi je trouve ça joli, d'abord. Hein. Ensuite, elles ont des épaules, ben forcément, elles sont développées sur les épaules, elles ont des bras des fois qui sont un petit peu plus costauds que la normale. Mais ce qu'il faut aussi savoir, donc, c'est que quand on fait une compétition, enfin quand on fait de la compétition, et notamment sur le plan physique, il faut accepter de se transformer. Faut accepter de se développer. Alors les garçons, eux, ça les dérange pas parce qu'ils aiment bien avoir des gros muscles, ça impressionne tout le monde. Et bon, les filles, ça les dérange plus, mais de toute façon, elles se développent quand même pas comme les garçons. Elles n'ont pas les mêmes fibres musculaires, la même façon de développer leur musculature. C'est du judo, hein. C'est pas de la danse. Faut assumer. Hein. Puis on peut être musclé sans faire garçon. Si c'est que ça, les muscles, c'est pas grave, quoi. Pour tout ce qu'on vit ici, c'est pas... Ça vaut le coup, je pense. On est un peu plus fatigué, je pense, que les non-sportifs. Enfin, on a un peu moins de temps aussi, il faut mieux gérer. Le temps pour faire les devoirs, le temps pour bosser, le temps de l'entraînement, il faut tout concilier, quoi. Quand on rentre à 9h, on n'a pas forcément envie de se faire nos devoirs. Enfin, on est fatigué, mais il faut qu'on s'organise. La règle de l'inverse. Moins une prime sur lui. Carré. Non.
qu'est-ce que j'ai dit? On accélère jusqu'au bout. Allez, 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 allez. Top. Allez, 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 allez. Vous devez mériter votre place au soleil. Top. Allez. Le milieu de la compétition est un milieu très difficile. C'est très dur. Et d'excuser sans arrêt, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, etc. Je pense qu'on ne rend pas les gens suffisamment durs. Il faut qu'on les rende durs. Il faut qu'on les rende durs. Il faut que les filles soient dures pour réussir. Si tu fais un rando à la fin. Les filles, j'ai dit on arrête de papoter. Vous avez... Qu'est-ce que vous avez besoin de vous dire là? Vous avez besoin de vous dire quoi là? Coucou. Non, parce que là, j'aimerais connaître un peu mieux la psychologie féminine. De quoi vous avez besoin de parler juste avant de faire un exercice de vitesse en Uchikomi? Bon, bah de rien. Alors là, préparez-vous. Quand il y a un moment, je ne veux pas laisser passer quelque chose, je ne fais pas. Quand une fille fait une erreur, je vais très rapidement lui dire. Et tant pis si elle ne m'aime pas, tant pis si elle pense que je suis le dernier des imbéciles, parce qu'il y a un moment, je ne vais pas permis de rigoler un petit peu avec sa copine pendant un travail que je voulais être sérieux. Tant pis. Ça caquette. Attention. Sur le tapis, là à un moment, on doit écouter, on doit faire, et c'est pas autrement. Et là, je supporte pas qu'il n'en soit pas ainsi. Et donc là, je peux être très dur. Ouais. Et il faut qu'elle le comprenne. Voilà. T'as attention de la laisser faire longtemps comme ça, Priscilla? Ah bon, je sais pas. Là, pour l'instant, t'es en train de la regarder. Allez, Domiti, hop. Tu dois lui en mettre une en dessous. Ouais, non, tire, Priscilla, tire et accélère, allez. Encore, voilà, encore, et tu... Voilà, mais... Oh, regarde, tu fais ton attaque ici, tu fais ça, et t'as vu ce que tu fais? Tu fais ça, tu la lâches. Alors que là, t'as encore la manche, on a fait tout un travail là-dessus, où tu dois garder la manche, continuer, et toi, qu'est-ce que tu fais? T'es là, et tu lâches la manche. Explique-moi, t'as pas envie de la mettre sur le dos? Ben si, bon alors vas-y. Des fois, faut arriver à brusquer les choses, à choquer. Des fois, même... même carrément leur gueule un petit coup dessus pour qu'elle, à un moment, elle fasse quelque chose qu'elles n'ont pas l'habitude de faire, en souhaitant que ça fasse passer un cap. Mais là aussi, il faut faire attention, parce que si elles ne comprennent pas la chose, si elles ne se prennent pas au jeu, elles peuvent se décourager aussi. Donc on peut avoir un effet dans un sens comme dans l'autre, et c'est tout ce jeu-là qui n'est pas facile à gérer. Tout ce qu'il nous dit, je pense que c'est dans un but. Ce qu'il nous dit, c'est pour qu'on avance ou pour que justement on change. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il voit que ça change pas en nous le disant gentiment, faut un moment de toute façon qu'il nous rentre dedans pour nous le dire, sinon je pense qu'on comprend pas.